Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super et on se retrouve sur Pokémon Légende Arceus. Et aujourd'hui on va compléter le Pokédex. Enfin tant bien que mal. On va avancer là-dessus. Hein. Parce qu'il y a un moment, faut capturer Arceus, pour ça il faut capturer tous les Pokémon. Alors c'est parti pour du Pokédex. Et coucou à Volkier, coucou à Nico Neko, comment ça va? Alors, Pokédex, voyons un petit peu où est-ce qu'on est. On en a attrapé déjà quand même 187. Je sais pas combien il y en a au total. En tout cas, on en a enregistré 214. Donc, il y en a au moins 214. Mais il y en a plus. Ok, tout ça, c'est bon, c'est fait. Ça, c'est fait, c'est fait. Ouais, ça va. Ah, Voltali, Pyroli, Mantali et Noctali. Ok, est-ce que j'ai assez d'évoli? On va déjà commencer là-dessus. Les évolis. On va faire des évolutions. Déjà, il me faut de la place. Hop, on va poser. Il m'en fallait 4, je crois. Hein. Il me semble qu'il m'en faut 4. Alors, des évolis. Des évolis. Et ben voilà, plein d'évolis. Hop. Du. 3. Et 4 petits évolis. Alors, il me faut. Pierre foudre, pierre feu et Mantali et Noctali, c'est de l'amour de jour et de nuit. Par contre, il faut absolument pas qu'ils aient d'attaque fée. Sinon, ça va devenir un infali, ce que je veux pas. Alors, est-ce qu'on a les pierres? Ah, ça c'est une toute question. Est-ce que j'ai les pierres? Alors, c'est pas ça. Pierre feu. Déplacer dans la sacoche une seule. Et pierre foudre. C'est ça. Attendez, j'ai un doute. Ouais, Voltali et Pyroli. Non, c'est pas ça que je veux. Inventaire. Allez! Et un Pyroli, hein! Ah, si tout c'était aussi facile à faire, hein, de ceux qui manquent des Pokémon, ça serait pas mal. Hein. Et voilà un beau Pyroli. Suivi d'un beau Voltali. Je crois qu'on va faire évoluer beaucoup de Pokémon. Hein. Et un beau Voltali. Alors vous par contre, gestion des capacités. On me dégage, regard touchant. Validé. Oui, pas d'attaque de type fée, s'il vous plaît. Pourquoi il leur faut pas des pierres pour évoluer, franchement. Gestion des capacités. Mais vite météore. Mais dégage, regard touchant. Pas de regard touchant. Non, non, non. Non, 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 non. Ok, Voltali et Pyroli, on peut les ranger. Sinon, après, on a qui? Donc, ces deux-là, c'est fait. Ces deux-là, bah, c'est de l'amour. Donc, il va falloir les garder dans l'équipe. Nostanfer, c'est également de l'amour. Hein. Ensuite, on a qui d'autre qui nous manque? Grolem. Alors, Grolem. Il évolue en échange. Hein. Ouais, donc avec un fil de liaison. Oh, merde! Avec un fil, ça fonctionne. Je crois que j'en ai. Donc on devrait pouvoir les faire évoluer.
Non, je veux pas relâcher, je veux déplacer. Hop. Nosferaltu, on en a un, on va le mettre dans la team. Et il me faudrait un Gravalanche. Voilà, Gravalanche. Alors. Est-ce qu'on a un fil qui traîne? Ouh, j'en ai qu'un seul. Ah, ça, c'est dommage. Parce que j'ai aussi au moins Ectoplasma, je crois, à faire évoluer avec. Il me faut plus de fil. Et allez, on continue avec les évolutions. Ça évolue. Oh, j'avais pas vu un Grolem level 27. Ça, c'est un peu naze. Mais bon, je vais probablement jamais m'en servir. Donc, on s'en fout. Hop, c'est juste pour le Pokédex. Mais non, mais à chaque fois que je me plante dans les touches, je veux pas les relâcher. Alors, ensuite, qui c'est qui nous manque? Serpeline. Ça, c'est l'évolution de Serfous. Alors, lui, il fallait faire des attaques en speed. J'avais commencé avec un. Il est où? Chez lui. Non, pas relâché. On le déplace. Hey, coucou Dafouti, comment ça va? Bah écoutez, on va partir avec ces Pokémon-là. On va essayer de les faire évoluer. Sinon, après ça, il nous manque qui? Pichou! Pichou! Alors attendez, je vais regarder où est-ce qu'on peut trouver des Pichou. On peut partir à la chasse aux Pichou. Alors, on en trouve dans les plaines obsidiennes et le marais carmin. Alors, on va aller fouiller dans le marais carmin parce que je sais qu'il y a Porygon qui pop uniquement dans les failles du marais carmin. Alors. Ok. Un peu des pattes-pattes. Non mais moi sinon ça va. On fait à la chasse au Pichu là et j'ai plein de Pokémon à faire évoluer. Pas une méga apparition de... Oh c'est dans le marais carmin en plus. Oh bah ça tombe bien. Allez coucou monsieur Carrie. Mignonne avec des pattes-pattes. on va donner... Il est où, hein, Frex? Il est là. On va lui donner une baie. J'ai des baies sur moi. J'ai pas de baie, je crois. Non, parle pas, Grand Frex. Mais je les ai dans ma malle, les baies. Je passe juste faire un coucou avant d'aller dodo. Ok, bah en tout cas, merci pour le coucou et bon dodo à toi. Bon là, les baies. Hop. Vas-y, montre-nous ces méga apparitions, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Y'a pas de Pichu? Non. Lui, par contre, il m'intéresse. Je crois que je l'ai pas. Et il me semble que c'est tout ce qui m'intéresse. Bah, au moins un qui m'intéresse, c'est déjà bien. Hop! C'est parti. Allons faire cette méga apparition. Guerrier, il enfin surtout arrête de descendre quand tu sprints quoi. Ça serait bien.
Alors, ils sont où les petits? Ils sont où? Ils sont où? Salut, vous m'avez pas vu. Ouh, il y a même un simularbre. On en a eu un, c'est beau. Ah. Non mais revenez. Oh, revenez. Pourquoi il y a autant de simulars? Oh, l'esquive de la Pokéball, ça se fait pas. Pas des simulars, moi, que je voulais. Hein. Plus, ils s'en vont. Ah, par contre, il y a mes Pokémon qui prennent des levels. Ça, ça fait plaisir. Ok, lui, il s'est barré. Tu vas où, toi? Tu vas nulle part? Comment ça, je peux le capturer? Oh! Oh, 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 je ne suis pas d'accord. Bah. Oh, mais vous abusez, hein. Bon, en tout cas, normalement, ça me fait un Pokémon de plus sur le Pokédex. Et ça, c'est bien. Eh, je suis en train d'utiliser toutes mes Pokéballs, là, les mecs. Hein. Vous abusez. Ok, il n'y en a plus. Du coup, les Pichou, ouais, je vois à peu près où est-ce qu'ils sont. Eh, hey, coucou, monsieur Pagis, comment ça va? Alors, les Pichou, ils devraient se trouver là. En théorie. On va voir. Est-ce qu'on va trouver des Pichou? Des petits Pichou. Ça va? Eh ben si ça va, tout va bien alors. Ah mon conseil. Guerrier, tu fais pas d'efforts. Tu ne fais pas d'efforts. L'averse n'est pas près de s'arrêter. Est-ce qu'il peut y avoir des... Comment ça s'appelle? Des failles en même temps? En même temps que des averses de méga parution? C'est une bonne question, ça, non? Ok, donc toi, c'était Spring Bouclier. Je crois qu'il faut que tu fasses en style rapide pour évoluer. Hein. Faut qu'il en fasse 20, je sais pas du tout à combien il en est, mais... Il va bien finir par évoluer. On y croit. Il est paralysé. Bien évidemment. Y a-t-il des petits Pichou? Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et Locke, merci pour ton follow, bienvenue à toi sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, bonjour le... Oh! D'où tu me tapes comme ça? Reviens!
T'es un baron, flippant. Voyou. Ah bah en plus t'as des copains. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Pensil rapide, toujours. Oh, il a pratiquement déjà plus de pépé, par contre. Ouais, c'est juste trop de pépé, rien de faire ça. Adieu, petit paras. Bah, c'est la dernière fois qu'il peut le faire, déjà. Et il a évité l'attaque. Bien sûr. Bah ouais. Ouais, du coup, il a plus de pépé. Il ne me sert plus à rien. On va prendre le sphéralto. Bah après, je cherche pas spécialement des shiny, là, je cherche surtout à compléter le Pokédex pour aller chercher Arceus. Peut évoluer, c'est beau. Non, c'est pas la bonne touche, c'est là. C'est beau, Cerfrous, il peut évoluer. Let's go. Évolution du Cerfrous. Et ben voilà. Et ben voilà une bonne chose de faite. Bon, et sinon les Pichou. Il y a des Pichou ou il y a pas de Pichou? Juste des petits Pichou. Ouais, j'avance doucement. Il y a zéro Pichu ici, hein. Bah, je pense que Pichu, c'est un Pokémon relativement rare. Donc, je pense qu'il va être très chiant à trouver. Est-ce que c'est par là ou c'est peut-être sur le côté? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il n'y en a pas aussi pendant l'averse. Qui n'est pas prête de s'arrêter. Merci. Quelqu'un qui m'a vu là. C'est un parasite. Pas un Pichu, ça. Qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou? Après, personnellement, les shiny, je préfère les trouver moi-même, mais s'il y a des gens qui sont intéressés... Bah, vous avez plus, j'ai envie de te dire, mais... Mais pourquoi tu donnes des shiny? Pichu! Petit Pichu! Alors, Pichu, ce sera pas un problème, j'ai du Pikachu, donc... Une pierre foudre et on n'en parle plus. Et eux, ils sont de la méga pareille. Si ça se trouve, à cause d'eux, il n'y a pas les Pichu. C'est possible, hein. Capture en masse.
J'ai manqué de Pokéball. C'est terrible! Je capture tout ce qui bouge! Eh, c'est beau, vous me faites gaspiller mes Pokéballs là! Et ben ça t'en fait des shiny, dis donc. Ouais, c'est possible qu'à cause de l'averse, il n'y ait pas les Pichou. Oh, une Pierrot. Ouais, je prends. L'adverse devrait encore sévir pendant un moment. Il pourrait pas y avoir une faille aussi, ça m'arrangerait éventuellement. Non. Nope. Attendez, je vais à FI, mais normalement c'est bien dans le coin avec les Pichou. Ouais, il ne va pas y en avoir beaucoup, mais devrait y en avoir. Oh, il y a une petite sacoche là qu'on pourrait récupérer en attendant que l'averse se calme. Ça peut toujours être utile. Surtout si je manque de fil pour faire évoluer Ectoplasma. Elle est où cette petite sacoche? Elle est là. Hop, ça c'est fait. Il y a pas de Pichou. Moi je veux du Pichou. On veut aller chercher Arceus, nous. Pour ça, il nous faut un Pichou. Nous allons combattre nos évolis, ils vont peut-être évoluer. Mais par contre, ils ont pas des techniques incroyables. Hein. Allez, Boboy! Il me faut un Noctali et un Mentali. L'averse devrait bientôt s'arrêter. Bonne nouvelle. Ouais, je crois que je suis la seule fille qui veut la fin d'une apparition massive. C'est possible. C'est un paras. C'est un paras qui pue! Ce n'est point un Pichou. D'où tu fais des parasports, toi? C'est bien, Evoli. Pas bon, pas bon, pas bon. La sphère Alto, pire, et je pense qu'il y a moyen de trouver aussi sa... son évolution. Hein. Je pense qu'il y a moyen de le trouver dans la nature. Mais bon, si on peut le faire évoluer, pourquoi pas, ce sera plus simple. Pichou, je peux pas le faire évoluer, hein. Je suis obligée de le trouver. Je ne vais absolument pas pouvoir le faire évoluer. Vu que c'est une sous-évolution. L'averse s'est arrêtée. L'averse s'est arrêtée. Parasecte. Je m'en fous des parasectes.
Peut être Pichou. Dans cet arbre, il y a Pichou. C'est un Pichou qui est dans cet arbre. C'est un Pokémon électrique, mais c'est pas celui-là que je veux. Alors par contre, faut surtout pas que tu me le mettes KO, copain. Non, parce que les mettre KO, mes Pokémon, ça viendrait à baisser leur amitié. Ce que je ne veux pas, t'es gentil. Ah, je suis costaud, le copain. Il a résisté à un psycho dans le level 80, quand même. Ah bah? Soigner vite fait, de toute façon on est juste à côté et on va revenir. On va devoir recharger la zone. Bah il pleut. Il pleut. Soixante-dix points. Bon, il pleut, mais c'est pas une apparition massive. Hein. Non, 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 c'est juste de la pluie. Bon, va-t'en le parasecte. Je veux du Pichou, moi. On va passer 3 heures à essayer de trouver un Pichou. Petit Pichou. Ouais, Pichou. Il y a pas le moindre Pichou. Quand même pas nous falloir une apparition massive de Pichou pour le trouver. Il n'y a même pas une petite distorsion non plus, non, rien. Rien de rien, super. Ah, oh, mais j'y ai cru, mais c'est un paras qui pue. C'est un paras. Je veux pas de paras, moi. Y a-t-il autant de paras? Allez-y. Bon, je pense qu'on va retourner au village. On va retirer Cerbéline parce que... Bah, c'est bon, il a évolué, il n'y a plus besoin. Il n'y en a clairement plus besoin du copain. Ouais, ouais, je fais mon rapport. Puis on va essayer de recharger la zone. Peut-être qu'on aura plus de chance sur les Pichou. Peut-être qu'on va avoir une apparition massive de Pichou. Ouh, 850 points, et joli. On retourne au village. J'ai encore des pierres foudres, je peux faire un Raichu.
Ouais, parce qu'il me manque Raichu aussi, donc on va faire un Raichu. Oh, merde, il y a Alakazam aussi qui évolue avec un fil. Il évolue en échange, Alakazam. Attendez, je peux le poser où, là, le cerbeline? Hop, on le pose là. Hey, coucou Xena, comment ça va? Pour ça, il me faut un Pikachu pour faire évoluer. Hein. C'est mieux quand même. Pikachu! Level 12. On va essayer d'en faire autant que possible. Hein. Après, ceux qui poseront un peu plus de problèmes, bah, ils poseront des problèmes. Non, on trouvera bien une solution. Elles sont mes pierres. Pierre foudre, j'en ai plus qu'une. Hein. Hop. J'espère qu'il n'y a personne d'autre qui veut une pierre foudre. Parce que sinon, ça va commencer à poser problème. Apte. Ouais, non, mais c'est normal qu'ils soient aptes, les Evoli. Non, non, on va pas faire plus de Voltali. Allez, un petit Raichu. En vrai, je préfère le Raichu d'Alola, moi, maintenant. Il est beau, le Raichu d'Alola. Ok, à part ça, il nous manque qui, donc Raichu... ouais, il manque Alakazam. Alakazam, il lui faut un fil. Est-ce que j'ai assez de points pour acheter un fil? J'en ai plus. Peut-être falloir farmer les objets perdus. Échange d'objets. Pour avoir des points de bonne action. T'en vends, hein, des fils? Ouais, 1000 fils. Ah, oh, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ok, on va faire un Alakazam. C'est ça, moi, c'est Alakazam, hein, je dis pas de conneries. Ok, on repose le Raichu. Je crois que j'ai vu un Kadabra juste ici. Voilà. Hop. Merci bien. Fil de liaison. Il est apte. Ouais. Allez, c'est parti. J'ai le trait au milieu de l'écran. Oh merde. Alors attendez. Non, c'est poussé. Juste une petite seconde. Hop. Voilà, normalement ça devrait être bon. Ah, la Kazam. Ouais, c'est bien ça. Ok, ça c'est fait. Ensuite. Qui c'est qui manque là? Ribou. Il y en a aussi au Marais Carmin de ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est ce bestiole-là? Ribou. Oh merde, je crois qu'ils sont dans les arbres. Bon, bah, il va falloir retourner au Marais Carmin. Donc ça, c'est Seribou et son évolution. Ouais, puis on va déjà faire ça, ce sera pas mal. J'ai personne d'autre qui a besoin d'amour, tant qu'on y est. Je crois pas. Je vais te rendre lui. Et puis
tu vas me rendre un de mes Pokémon. Qu'en penses-tu? On va récupérer Gardevoir. Non, pas relâcher, déplacer, s'il te plaît. Ok. Bon ben... On retourne au marais. Ouais, il y a une apparition massive, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Du coup, on cherche des Pichou et des Seribou. Qui a priori sourit dans les arbres. Il pleut encore, il pleut tout le temps ici. Des Pichou. Ouh, il y a un Raichu. Il y a un Raichu Baron. Est-ce que ce serait pas plutôt bon signe, ça? Je vois pas de Pichu. Genre, il y a un Raichu Baron et il n'y a pas de petit Pichu autour? Non. C'est une blague! Pichu! Petit Pichu! Pokémon super rare, ça encore. Ok, moi je vais aller taper le Raichu. Hein. J'aurais pu le capturer si je suis un petit peu dégoûtée là-dessus. On m'aurait économisé une pierre. Toi, on va te taper. Je sais jamais, peut-être que battre le baron, ça va faire pop des... des Pichu, j'y crois très peu, mais... Qui sait, peut-être. Raichu, t'as pas vu des Pichu? D'où t'as des attaques comme ça, toi? Est-ce que tu peux one-shot Gardevoir? Est-ce que tu peux one-shot? Parce que sinon, c'est toi qui vas être KO, là, en fait. T'en refais une queue de fer, t'es KO. Ah! Elle le one-shot pas. Évidemment, il y a plus de fer. Pam. Oh oui, magie rêve. C'est vrai qu'il a que de fer, Raichu. Truc, j'y pense pas. Ça fait pop des Pichu? Pichu? Toi, va-t'en. Je ne suis pas du tout en train de désespérer de trouver un Pichu. Pichu? Non, un caillou. C'est un autre genre. Voilà, tu me one-shot même pas un racaillou. Oh mais t'es sérieux?
Et bute-moi sur un caillou. Pichu. Je vais buter tout le monde, hein. Ça aurait pu finir par faire pop des Pichu. Il s'agit de faire évoluer les Pokémon avec des objets, ça va, c'est rapide, mais là... Là, je pensais pas mettre 2 heures pour trouver un Pichu. Un Paras. Un Paras. Bon, on va essayer de trouver ces hiboux. A priori, ils seraient dans les arbres. Donc, il faut essayer de trouver des arbres qui bougent. Ah, pas être évident, ça aussi, je crois. Sinon, toujours pas de distorsion, parce que... aussi avoir la chance d'avoir un Porygon dans une distorsion. Enfin, un arbre qui bouge. Là, il y a un arbre qui bouge. Tout le monde descend. C'est Ribou. Non. C'est pas ça. C'est moi ou mon Nosferatu vient de me taper? Est-ce que ceci est normal? Pour moi, la bonne nouvelle, c'est qu'on les voit depuis le ciel, les arbres qui bougent. Ça bouge! Par contre, ouais, faudrait peut-être arrêter de sauter d'aussi haut. Peut-être pas la meilleure des idées. Non. Nosferatu, tu vas quand même pas te faire tuer. Alors, on va envoyer Evoli. Quoi qu'il se fasse tuer, ça va me faire baisser mon affection. Là, il y en a plein des arbres. Est-ce qu'il y en a qui bougent? Des arbres qui bougent. Je crois qu'il y a des Pokémon qui vont être très chiants à trouver. Mais genre, vraiment. Vraiment beaucoup. Y a pas un arbre qui bouge. Est-ce que vous croyez qu'on va les trouver? À votre avis.
L'impression que c'est plutôt mal parti, moi. Moi aussi, je t'ai mis à cœur, parce que j'aime bien Xena. T'as une réponse? Non? Un Fantominus Baron. Il n'y a pas de Pokémon dans les arbres, mais c'est terrible. Salut Spectrum Baron. Ah, là! Allez, on y croit, c'est lui! Ouais, bah météore. Ah, il l'a one shot avec. Ah oui, il est 57 quand même, le petit. Ivovoy. On va retourner du côté des Pichous. Oh, une petite flamme! Oh, bah, faut les faire aussi, les flammes. C'est pour Spiriton, voilà. Ah, yeah. Ah oui, s'il nous faut tous les Pokémon, il faut aussi Spiriton. Ce qui veut dire qu'il faut faire toutes les flammes. Là, ça bouge. Et non. Ok. Ouais, là, lui, tu le one-shot pas. Aïe. Eh, faut arrêter de me taper, moi, je vous ai rien fait. Petite flamme! Au moins on récupère des flammes, c'est déjà ça. On n'est pas en train de tourner dans le vent, on trouve au moins quelques flammes. Ça fait progresser quelque chose. C'est déjà ça. Il n'y a toujours pas une distorsion, non? Ça, la distorsion. Non. Parce que quand même, si je les cherche au marais, c'est aussi pour voir pas avoir une petite distorsion. Et merde, mais c'est un truc de riz, j'ai cru que c'était un Pichou. C'est du riz, c'est pas un Pichou. Ça, c'est un Fantominus, c'est pas un Pichou. Des paras. Toujours des paras. Ouais, laissez-moi tranquille. Hein. Venez pas m'embêter, je cherche quelque chose de précis. Non, ça là-bas, c'est un champignon, c'est pas un Pichou non plus. Enfin, tout ce que je vois pour moi, c'est un Pichou.
C'est un peu champignon, pas un pichou. Je veux vraiment ce pichou. Bon bah y a pas de pichou. Et ben on va refaire le tour des arbres. Capture de jeu. Champichou. Ok, nouveau Pokémon Champichou. En vrai ça pourrait hein. Ça pourrait bien être un Pokémon. Ils vont me faire désespérer les mecs. Pourquoi ils ont fait un truc comme ça où il faut vraiment capturer tous les Pokémon pour pouvoir aller voir Arceus quoi? Abusé. Surtout avec des Pokémon aussi difficiles à trouver. Je suis rentrée dans un arbre, je suis tombée de guérigle. Ok. Petite flamme. Il en reste encore 6 dans la zone. Est-ce que vous croyez qu'on va les trouver à force de tourner en rond? Ah bah là il y en a une aussi. Ça en fera 5 dans la zone. Mais non, Xunop, c'est pas un Pokémon. Peut-être que si. Mystère, qui c'est? Comment savoir si c'est un Pokémon? Faites pas attention à moi, je vais me faire passer. Bouge. C'est du miel. Ouais. C'est du miel. C'est pas ce que je cherche. Oh bah il fait jour, on n'aura même plus de flammes. Terrible. Oh attendez, il me semble que je viens de voir quelque chose. Il me semble que ceci est un zarbi. Est-ce que ne serait-ce point un zarbi? Eh, heureusement, il n'y a pas besoin de capturer tous les zarbis. Hein. Bah j'espère. Bon elle veut que je l'affronte sûrement avec Palkia, comme je l'ai fait avec Dialga. Donc oh arbre qui bouge. Elle est gentille, ce sera pas pour tout de suite. Hein.
C'est toujours pas ça. C'est toujours pas ce qu'on cherche. Et si vraiment on trouve pas, on va aller chercher ailleurs, mais... Ça embête, j'aurais préféré trouver ici. Avoir une petite faille qui s'ouvre. Trouver Porygon par la même occasion, et puis on n'en parle plus. Ça aurait été bien, non? Mais je crois que le jeu ne veut pas que ça se passe comme ça. Je crois que le jeu veut que je galère. Du coup, bah, je crois qu'on va galérer. Paras, Paras, Raichu Baron qui est de retour. Et pas de Pichu. Oh bah déco. Je veux même pas que je le capture en plus. Bon, a priori, il y a aussi des Pichu dans la plaine obsidienne. Alors, on va aller voir ça. Ouais. Parce que là, il y a absolument rien. Faudrait que je m'en fasse des Pokéballs au-dessus, ce serait pas une mauvaise idée. Peut-être des Hyperballs aussi. Seulement 23, j'ai plus de galets, mais c'est terrible. Terrible. Ça, on peut ranger, ça, on peut ranger, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Hop, on range tout ce qui ne me sert pas. Parce que si ça sert pas, bah... Autant le ranger, quoi. Ok. Ok, Nafoti, merci en tout cas d'être passé. Des bisous et à la prochaine. J'ai capturé un Pokémon. J'ai capturé un Zarbi, c'est tout. Magnifique. Ah, ça, c'est de la progression. Vas-y, mets à jour mes données de Pokédex, je t'en prie. Bah on va retourner au village, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Alors, les Pichu qui sont dans la plaine obsidienne, où est-ce qu'ils se trouvent? Qui a priori devraient être plus nombreux. J'espère. Méga apparition. Ouais, non, tant pis. C'est pas dans la zone qui m'intéresse, donc ça va pas être les Pokémon qui m'intéressent. Donc c'est pas la peine, hein. Tant pis. On a dit, on se concentre sur. Pichu. Ah, attendez que je regarde la carte. Ok.
Ouais, c'est à peu près ici, dans le coin, devrait y avoir des pitchous. Je vois, c'est des chenilles. Ok. Il faut des galets, alors on va faire des galets. Hein. Surtout si vous voyez un pitchou, n'hésitez pas à crier. Pour moi, tout ce que je vois, c'est des Shunity et des Luxray. Non, des Luxio plutôt. Ouais, ça revient au même. Hein. C'est la même base. Petit Pichu. Petit Pichu. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des pitchous en fait dans ce jeu? T'es sérieuse? T'arrives pas à monter ça, cocotte? Bah ouais, elle est sérieuse. Il me faut fort Furex pour monter ça. Il n'y a pas de pitchou. Oh, lâche-moi toi, je t'ai rien demandé. Après, au pire, on peut aller chercher d'autres Pokémon, hein, mais... Je crois qu'il y en a qui vont nous causer problème. Allez, je m'en fous de toi, je veux un Pichu! Y'a que des chenipotes! Je veux pas de chenipotes, moi! Y'a pas de Pichu! Y'a pas de Pichu! Y'a pas de Pichu! Le doute, hein. Je regarde quand même par là, je regarde partout. C'est un Pichu? Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est point un Pichu. Non, non, non. Mais par contre, les Luxio, qu'est-ce qu'il y en a, quoi? Il y en a partout.
On n'en veut pas, mais... Il y en a plein partout, hein. Bon, a priori, il y a peut-être un autre endroit où il y aurait des pichous ici, mais... Je commence à désespérer, je crois. Trouverai-je un jour un pichou? Non, je demande pas la lune quand même. On va se poser. Hein. Ah, fouiller la zone à pied. Les herbes là comme ça, je vois pas ce que c'est. C'est pas un pichou, ce serait... Non, c'est pas un pichou. Pas du tout. Comment ça, je l'ai raté? Eh, reviens! Non, te barre pas! Viens manger! Allez! Attrape ce pichou! Pichou attrapé! Ouais! On a attrapé Pichou! Eh, pas dit donc! Il aura pas été simple à trouver celui-là! Aïe 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 aïe! Bon. Je capturerai pas d'autres, hein. Abusez pas. Hein, c'est très bien. Hein, c'est très très bien. Par contre, on avait aussi ces ribous là. On peut le trouver aussi dans les plaines. Par contre, où ça? Parce que lui aussi, il faut encore le trouver. Et alors lui, il y a très peu de zones ici. Hein. C'est exactement, c'est tout au sud. Est-ce qu'on va avoir la chance de le trouver aussi, lui? Ça serait bien. Ce qui m'embête, c'est qu'on ne trouve que dans les arbres. Ouh. Ah non, c'est du bois. J'ai cru que c'était une sacoche. Ah, oh, ok. C'est un lapourail, on s'en fout. Alors, normalement, ces ribous, ils se trouvent ici et dans les arbres. Et
Il y a un arbre là, mais il n'y a personne dedans. Alors, on a une distorsion temporelle qui est sur le point de s'ouvrir. Pourquoi on l'a pas eu dans le marais? Elle est où? Je sais pas si elle sera très intéressante, mais bon, on va quand même aller la faire. On va quand même y aller. Allons faire cette distorsion. Par contre, j'ai que des Pokémon pas terribles. Ah, pas dire de merde, mais... Disons qu'on a vu mieux. Ça risque du coup d'être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. On va se concentrer que sur des Pokémon qui pourraient nous intéresser. Le reste, on oublie. On a le temps, hein. Je me permets de ramasser un peu du galet sur la route. Ça met quand même un petit peu de temps pour s'ouvrir les distorsions. Parce que Porygon, je crois qu'il est vraiment que dans les distorsions du marais. Donc je ne pense pas qu'on le trouve ici, malheureusement. Et pouf, on est dedans. On peut tuer des chenipotes en attendant. Ça devrait faire monter notre relation avec avec Evoli. Venez, elle veut que tu captures le Pokémon. Pagius. Ah ouais, je connais pas celui-là. Vous inventez des nouveaux Pokémon, vous. Pas bon. On est d'accord que normalement, gagner des combats, ça augmente notre relation. Hein. Ça fait monter l'amour qui est entre nous. Est-ce qu'il nous faut de l'amour pour les faire évoluer? Respectueusement, Noctalie et Mantalie. Ouais, normalement, c'est bon, ils gagnent des combats, ils sont contents. Allez, Vivatech, c'est des level 2! Ah. Ça montre le nombre de tâches. Hein. Après, on va trouver des chenipotes shiny. Ce qui est nul, mais... On aura peut-être des chenipotes shiny! Allez, Fiv attaque contre ce chenipot niveau 4. Magnifique. 6 sur 6, on a tué 6 chenipotes. C'est quand t'as vu qu'elle s'ouvre la faille? Et puis là, vraiment, on attaque que s'il y a un Pokémon qui nous intéresse. Mais un qui nous intéresse vraiment. Genre un Porygon, même si c'est très peu probable de trouver un Porygon ici. Mais bon, qui sait?
Pourquoi pas? Oh, ça va, là, chez moi, les boudrives. Hein. Il y a beaucoup trop de boudrives dans ce jeu. Il y en a partout. C'est des invasions de boudrives. Bon alors, petite faille. On a qui? On a Arcana, on a Megirev et Gardevoir. Hein. C'est tout ce qu'on a. Hein. On a une team de 3. Bah, JC Xena, vous battez pas sur le nom d'un Pokémon que vous inventez. Aïe aïe aïe. Bon, tu t'ouvres, petite faille. S'il te plaît. Allez. Du coup, on est à 195 attrapés. Et ça monte, hein. Lentement, mais sûrement, ça monte. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Oh, mais c'est beaucoup trop loin à s'ouvrir quand même. C'est beaucoup trop long. On a le temps de faire une sieste, je crois. Qu'est-ce que t'en penses, Arcana? On a le temps de faire une sieste? Ça aurait été trop bien de pouvoir monter, Arcana. En vrai. Ouais, on avait largement le temps de venir 20 fois. Il leur faut 20 minutes pour s'ouvrir à leur faille ou quoi? J'ai l'impression que limite t'attends plus longtemps à qu'elle s'ouvre que le temps qu'elle reste ouverte. Bah ça y est. Alors qu'est-ce qu'on a de beau comme Pokémon là-dedans? Parfuré. Je m'en fous. Vous, je m'en fous aussi. Pas intéressant. Par contre les objets je récupère. Y'aurait pas des fils de liaison dans le coin? Ils sont rouges. Morceau d'étoile. Poussière d'étoile. Non, je joue des fils. Exelangonix, je m'en fous. Ah, c'est des peaux métal aussi qu'il me faut. Corps forfuré. Ils
poisson rouge. Tu sais qui fait de la glace là. C'est parfait. Des sons bleus. Ouais, en vrai, trouver des fils ou des pots de métal, ça m'arrangerait bien. Stélix, je crois que je l'ai, mais j'ai... comment il s'appelle ? Cisaiox à faire évoluer, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il faut une peau de métal, hein, pour moi. Il y a un Dimorin en train de dormir, normal. Attendez, il y avait un truc là. C'est un des sons rouges. Spectrum. C'est nul tout ça! Ces Pokémon ne m'intéressent absolument pas. Encore un Onix. Ouais. Ouais, ouais. Ils sont rouges. Ils sont verts. Je crois que j'ai même pas eu de fil ou de peau métal. Hein. Je crois qu'on a attendu 2 heures pour de la merde. Oh, un Evoli. C'est bien un Evoli, mais honnêtement, j'en ai plein des Evoli. Donc, une fois encore, pas intéressant. What? Ils sont verts. J'ai pas vu un truc dans le coin, là. Dans les herbes, on voit pas très bien s'il y a des choses. Toujours le même Pokémon. Ouais. Je crois que j'ai fait le... Franchement, ça aurait été un Noctali ou un Mantali, je l'aurais pris, mais Philali, j'ai déjà. Ça m'intéresse pas. Des sons bleus. Il y avait un truc là. Des sons bleus. Nul! Les Evoli, c'est pas ce qui manque, hein. Je crois qu'il n'y a plus d'objets, hein. On a tout ramassé en termes d'objets. Et la truc, c'est déjà fermé. C'est bien ce que je dis, c'est plus long à attendre qu'elle s'ouvre que le temps qu'elle est ouverte. Ok, on va retourner... C'est par là, c'est par là. On va retourner au sud, voir si on trouve pas un petit copain dans un arbre, là. Et puis sinon, on va passer à la suite. Seribou, on verra plus tard. Ouais, bah pas incroyable, hein, cette faille. Je n'ai point eu ce que je recherchais. Non, non, non. Je n'ai pas trouvé mon bonheur. Ici, il n'y a toujours pas d'arbre qui bouge. Non, rien du tout. Eh ben, écoutez, on va repartir en ville. D'abord, regardons le Pokédex.
Galam, faudrait que je le fasse évoluer. Temple Frimapic, oui, il y en a un. On va aller au temple Frimapic. Il y en a un qui est baron, normalement là-bas. On a au moins 8 Pichou. Ça, c'est bien, on a 8 Pichou. Pichou, c'est fait! Waouh, 100 points! Ça monte plus beaucoup maintenant. On va essayer d'aller chercher le Galam Baron. Méga apparition. Méga apparition! Ah bah en plus elle est là-bas. Et puis voilà qui m'arrange. Ah Pichou, ouais, très compliqué à voir. Peut-être même plus difficile qu'un légendaire à avoir. Hein. Vas-y, je te donne des baies. Dis-moi s'il y a des Pokémon qui m'intéressent. En méga apparition. Si j'arrive pas à voir le Galam, ça m'intéresse, ça. En plus, taux élevé de Shiny. On va y aller. Oh, mais il y aura peut-être des Galam d'ailleurs. Ah ouais, ouais, très intéressant. Ok, discrétion. Paf! Ouais, je balance des Pokéballs partout. Qui bouge. Arrête de bouger. Voilà. Moi j'en ai un Pichou. Bah c'est beau, moi j'en ai un aussi hein. T'inquiète Xena. C'est bon, je l'ai eu, mon Pichou. Qui c'est qui ose m'attaquer? Qui ose m'attaquer? Tiens, dans le dos. Dans le dos et ça l'a pas attrapé. Non mais sérieusement. Non mais sérieusement. Ce sont un mal en plus, je crois, pour faire un Galam. Hein. Reviens. Chut. Prends ta Pokéball dans la tête. Mais non, mais sérieusement, c'est des garde-voirs. Mais j'ai pas de bol. Bon, j'aime beaucoup garde-voir, ça y a pas à dire. Mais c'est pas ce que je voulais des Galam. Et c'est une horde de garde-voir.
Pas possible! Ah, elle me repère de vachement loin! Ok! Ok! Ok, touché. Il peut y avoir des galames. Des galames, c'est ce que je voulais. Compliqué à capturer, hein, les miss. Bah alors. Mais. Oh, sérieux? Ah bah tout ça pour se barrer en plus. Ah bah bravo. Il y en a encore une. On peut avoir des galames après? Non, pas de galames. Pas de galames. Ouais, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. C'est ici, hein, normalement, le temple de Frimapic. C'est là-bas, il me semble qu'il y a un galame baron. Ça aurait pas pu être une horde de galames. Le jeu ne m'aime pas, moi je vous le dis. Et tu veux pas prendre... Non, tu veux pas prendre Farfurex? Ah, tu veux bien me mettre Farfurex, bah alors. Allez, monte! Monte, monte! Et j'y pense parce qu'il y en a un qui vole au-dessus de moi là, mais je crois qu'il me faut aussi guerrier aigle. Je crois qu'il évolue naturellement sans souci. Et sa sous-évolution, je dois l'avoir, donc ça devrait pas être un problème de le faire évoluer. Alors. Normalement, quelque part là-dedans, on a un galame baron. Fais pas attention, je fais que passer. Je cherche un galame baron. C'est pas là. C'est plus loin. Il était si loin que ça? C'est pas par là. C'est pas par là non plus. Mais c'est par où? Attendez, c'est un cul-de-sac ça? C'est par là. Voilà, et je m'y retrouve plus moi là-dedans.
Ok, le v'là. Aïe! Oh, calme-toi, petit galam. Eh, 70 quand même, hein, le galam baron. Il va pas rigoler. D'accord, il attaque comme ça, direct, au calme. En style puissant, il me one-shot arcane, hein. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai que 3 Pokémon en vrai, mec. Sachant qu'il faut pas que je le mette KO. Balle ombre, je vais le mettre KO. On va faire un feu ensorcelé. Ok, ça devrait être suffisant. On y va à l'hyperbole, bien évidemment. Ça va, il tape pas trop fort. Il tape fort quand même. On va refaire une hyperbole. De toute façon, si je leur tape, je le tue là. Alors, je ne peux pas le taper. Allez! Ah, il va me faire chier. Il va me faire chier! Allez! Et il se met en colère en plus. C'est dommage que j'ai pas l'extrait en fait, j'aurais bien paralysé. Il me reste juste garde-voir. Je peux peut-être le taper un petit peu avec garde-voir. Ça c'est pas très efficace, on va le faire en style rapide, histoire de vraiment pas taper trop fort. Hein. Ouais, j'ai peut-être un peu exagéré. Il va me tuer, garde-voir. Hein. Ouais, il va me tuer. On va essayer de le capturer. On va envoyer un Evoli. Ouais, le plus haut level. Je pense pas qu'il résiste, mais si j'arrive à le capturer, c'est bon. Allez! Capture-toi, s'il te plaît! Mais sérieusement, c'est quoi ce Pokémon? Ouais, ça va me baisser mon amitié, moi, ça, tes conneries, là. Ça va me baisser mon amitié avec les Pokémon. Là, vraiment, ils m'emmerdent. En plus, sur attaque, non, mais c'est bon, calme ta joie, là. J'ai même pas pris de rappel. Eh ben, on va retenter une dernière hyperbole. Allez! Ok, ce Pokémon est impossible à capturer. Non merde, je peux pas me TP. Il est impossible à capturer, ce con. Et pourtant, il est que... Enfin, c'est juste un baron, hein. C'est pas un Pokémon légendaire. Par contre, ce qui emmerde vraiment, c'est le fait qu'il m'ait baissé mon amitié. Du coup...
Il lui faut quoi pour évoluer? Qu'est-ce qu'il lui faut à lui pour évoluer en Galam? Faut une pierre aube. Et en vrai, j'en ai des pierres aubes. Faut que ce soit un mâle, hein, par contre. Ouais, faut que ce soit un mâle avec une pierre aube. Hey, on va pas se faire chier. S'il n'y a pas un mâle dans tout ce que je viens de capturer, ça serait quand même un peu abusé. Ouh, 240 points. Bon, on va faire évoluer, hein. Ce sera plus simple. Machin. Pas combien je lui ai envoyé d'hyperbole, mais. Il ne veut pas. Et eh ben c'est tout. Faire évoluer un et puis c'est tout. Je dois en avoir des pierres aubes. Alors, femelle, femelle, mâle. C'est beau, j'allais dire, il n'y a que des mâles en fait. Non, c'est bon, on a bien une femelle. Ouais, alors par contre, je vais déplacer ma garde-voir parce que sinon, je vais jamais la retrouver, moi, là-dedans. Hop. Et pierre aube, normalement, je dois au moins en avoir une. Pierre aube, pierre aube. Non, ça c'est pierre éclat, pierre nuit, pierre lune, pierre aube. J'en ai qu'une seule. Hein. J'en ai qu'une seule. Il m'emmerde le golem. Donc c'est bien un mâle. Hein. Je confirme, c'est un mâle. Il évolue en golem, pas en garde-voir. Ah, elle est belle la musique de rusticité. Voilà, un galam. C'est fait. Voilà, on va pas passer 2 heures là-dessus quand même. Oh. Galam, pouf. On peut le ranger. Alors ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Galam, c'est fait. L'évolution d'Hippopotacée. Il évolue au niveau 34. Alors. Est-ce qu'on a un hippopotame à faire à évoluer, hein? Ouais. 21, 22, j'en ai pas un plus haut level. 22. Est-ce que j'en ai d'autres? De ces bêtes-là. Tant que j'y suis, j'ai lui aussi à faire évoluer. Lui, il faut pas, il faut une griffe rasoir, non? Un truc comme ça, je crois. Genre, c'est pas ça qu'il nous faut. Non, si, il déplace dans sa coche. Un seul. Je vais manquer d'objets d'évolution. C'est terrible. Pas apte. Non, lui, il évolue pas avec ça. Donc, c'est... C'est la version Johto, je crois, du coup, qui évolue avec ça. Hein? Je ne sais plus. Moi, j'ai un doute. Trop de Pokémon. Comment est-ce que vous voulez que je retienne toutes les façons d'évoluer de tous les Pokémon? Il y a lui aussi qu'il faut que je fasse évoluer. J'en ai plein à faire évoluer.
Là, je cherche un hippopotas ou alors un Parfurie de Chouteau. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Le Stélix, c'est bon. Le Stélix, je l'ai. Le bordel dans les boîtes de Pokémon, là. On ne s'y retrouve pas. Ça, c'est ce que je viens d'avoir récemment. Ok. Normalement, je devrais avoir un Farfuret de Johto. Non, mais quand on cherche quelque chose, c'est terrible. Non, mais je peux le chercher, en fait. Rechercher. Pokémon. F. Farfuret. Rechercher. Ouais, ça aide pas. Faut quand même fouiller dans les boîtes. Hein. En plus, il est blanc bec. Ah! Le voilà! Aya! Bon, c'est bien lui qui évolue avec la griffe? Non, c'est pas. Je me plante dans les touches. Voilà! Il évolue! Allez! Ah bah dis donc. Quelle misère! Voilà, on dit moré. Ça, c'est fait! Ok, je le range. Oh, y'a Riolu aussi qui évolue avec de l'amitié. Non, on va le poser. Faut que je fasse évoluer un hippopotas. De toute façon, ils sont à peu près les mêmes levels. Ok. On va aller taper du Pokémon. Je sais pas quoi, mais on va taper. Il faut une méga apparition. Non, mais ils vont pas être assez haut level. On va aller au marais. Dans le cas possible qu'il y ait une distorsion. Toujours pour le Porygon. Non, Xena, on ne tape pas Pagis. Sous quel level? Pam 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 pam. Allez, Petrou, cramer Arcanin. Ils sont level 20, ils sont pas très haut level. Hein. Ouais, ça risque d'être long de le faire évoluer la Lipotam. Eh, hey, sinon on peut pas en trouver un déjà évolué. Bon, pas juste Xena, moi je vous laisse faire vos petites histoires, hein, et je m'en occupe pas. Hein. Aïe aïe aïe. Partez dans des trucs. Ah, il y en a un. Bon, par contre, c'est un baron. Est-ce qu'il est plus facile à capturer que le Galam ou c'est le même bordel? Ah bah il y a un Fantominus aussi avec. Qu'est-ce qu'il fout là le Fantominus? Il dégage le Fantominus. Voilà. Arcana a évité l'attaque incroyable. Alors par contre il est pas très haut level, alors on va faire l'âme droite qui est pas très efficace. T'évites de me le tuer, quand même. Ok, ça va. Aïe! Eh, il lui fait mal à mon arcanin.
Il y a une tête de fer, mais tu me tues pas, s'il te plaît. Ouais, ça va. Bon bah, refais une tête de fer. Ouh! Pas plus, hein. Bon, Arcana et KO, c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Ok, j'ai plus une Pokéball, mais c'est terrible. Ça, c'est un vrai problème, il va falloir que j'en achète. Hein. J'ai pas de quoi en crafter, je crois pas. Mais c'est quoi ces barons qui sont incapturables? Il est quasiment mort, le machin. Oh. Eh ben voilà. Non mais... je demande pas la lune. Ok, du coup, ça, c'est fait. Pas besoin de s'embêter à le faire évoluer. Oula. En version baron. Qui plus est. Pas de petite faille? Non? Rien? Eh ben tant pis. Ouais, mes recherches avancent de façon incroyable. Ah oui, quand même. Ouais, c'est toujours ça. 350 points. Eh, encore 160 et on prend une étoile. Et ça, ça serait cool. Petite étoile aujourd'hui, ça serait pas mal. Du coup, lui, c'est fait. Ursa King. Ouais, il faut faire évoluer Ursa King. Et lui, il faut un objet. Je ne sais plus ce que c'est l'objet qu'il faut. Qu'est-ce qu'il lui faut comme objet pour évoluer? C'est un bloc de tourbe. Et il faut que ce soit pendant la pleine lune. Alors, est-ce que j'ai un bloc de tourbe? Bloc de machin chose. C'est pas ça. Mais ça? Non! Des douteux obsidiennes? J'ai pas. Ah! Ah! Alors, autre question, est-ce que je peux l'acheter? Je crois que je n'ai pas l'objet pour le faire évoluer, lui. Qu'est-ce que... Saphira, suis-moi, je te prie. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Ça fait 20 fois que je passe par là, qu'est-ce que tu veux? Hein? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'ai assez de Pokémon pour Arceus? Non? Pas besoin de tous les avoir. Te voilà. Oui, je suis là. Dis-moi, sais-tu pourquoi nous appelons le groupe Galaxy? Oh, je sais rien, ouais. Comment pourrais-tu savoir après tout? Écoute-moi bien, je vais tout te dire. Vois-tu, j'ai toujours été fascinée par les étoiles. Leur éclat, leur multitude. Ainsi, lorsque j'ai exposé à nos mécènes notre projet d'installation à Issui et que je leur ai présenté Selena et notre groupe, je leur ai dit qu'ils étaient tous aussi brillants que des étoiles. L'un des mécènes nous a alors comparés à une galaxie.
Et je suppose que pour le flatter, notre dirigeant lui a répondu que nous nous nommerions le groupe Galaxy. Tu te trompes, Selena. Si j'ai choisi ce nom, c'est parce que je l'aime, tout simplement. Cela dit, ce nom disparaîtra lorsque nous aurons accompli notre tâche, nous installer durablement dans la région. Ainsi, notre rôle s'achèvera et le groupe n'aura plus de raison d'exister. Pourquoi s'attacher à ce qui n'est au fond qu'un simple nom ? Permettre à tous, à tout un chacun de vivre ici en paix, aux côtés des Pokémon, voilà ce qui importe. Si je puis me permettre, je ne laisserai pas le nom Galaxy disparaître dans l'oubli. Et je vous promets que mes descendants se souviendront des exploits de notre groupe. Je te reconnais bien là, Selena. Je te prie de m'excuser pour ces longues explications, Saphira. Accepte donc ce petit cadeau pour te remercier d'avoir pris le temps de venir ici aujourd'hui. Bah, vas-y, je prends. Morceau de comète. Tu étais peut-être, au départ, une inconnue tombée du ciel, mais tu nous as été une aide immense. Et tu as bien, et tu mériterais bien de connaître une partie de notre histoire. Je compte sur toi pour continuer à veiller sur nous tous, habitants d'Issui et Pokémon. Ok. Bon. Mais je sais pas, je me promène et les gens veulent me parler. Échange d'objets. Alors. Griffe rasoir, croc rasoir, tissu peau métal. Ok, ça ne s'achète pas, votre machin. Ça va être trop beau. Bien sûr. Faudra le trouver, je sais pas comment, mais faudra le trouver. Bon, du coup, pour lui, c'est pas possible pour moi. Ok. Ah, lui, il y a moyen de le faire évoluer, sinon il y a moyen de le trouver. Genre, il me manque. Ah, il est trop... Attendez, il est capturé, lui, ou pas? Parce qu'avec sa tête toute blanche, on sait pas trop. Spécimen attrapé. Si, je l'ai. Tortipousse! Faut faire évoluer Tortipousse! On va prendre Tortipousse dans la team. Tortipousse! Tortipousse! Alors, je veux te confier l'hippopotame. On n'en a plus besoin. Et je veux un Tortipousse à la place. Bon. Et... Il est où le Tortipousse ? Normalement, j'en ai au moins un. Ah! Tortipousse, voilà. Eh ben, c'est parti. On va le faire monter. Il n'y a pas un Evoli qui voudrait évoluer par hasard, ah, non. Non. Ça ne veut pas évoluer. Eh, par contre, j'ai plus de Pokéball. Non, vraiment, faut faire quelque chose pour les Pokéball. Ça ne peut pas durer. Non. Je vais voir si je peux en crafter. Mais sinon, on va en acheter, hein, tant pis. 40, allez. Oh, c'est les galets qui me manquent. Eh ben, on a fait des Pokéballs et puis on va acheter les autres. Ouais, allez, on achète. Hein. C'est beau. Peut-être pas. Non, hein, quand même, faut pas abuser. On va en acheter une petite trentaine. Et les hyperboles, pareil. Voilà. Hein.
Bon, on a acheté 999 hein, des balls, peut-être pas. Mais je fais toujours attention à moi quand je sors. Ouais, on va aller au marché. C'est pas l'idéal pour Pex, mais le problème, c'est que je veux une distorsion. Je veux une petite distorsion. Il y a un baron là en dessous. On voit rien du tout. Qu'est-ce que tu veux, le Fantominus ? Level 19, le Fantominus. J'ai vu un baron là. Ah bah c'est un Fantominus baron en plus. Et en plus il me tape. Baron normalement il donne plus d'XP quand même. Alors on a Psycho, c'est super efficace. Voici, défausse-moi ce Fantominus. Voilà, ça c'est fait. Ça fait que 452 d'XP pour Tortipus. Ils sont peut-être un petit peu bas level. Ah, il peut évoluer. Tortipus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Tortipus. Pas évolué. Y'a pas son évolution en baron d'ailleurs dans le coin en fait. Sinon pour la troisième évolution, on peut aller chercher le baron. C'est une idée comme une autre, non? Par contre, où est-ce qu'il est? Bah... Il y a quelque part? Je crois qu'il y a quelque part par là. Quasiment sûr qu'il y a son évolution. Par contre, là, en vrai, on voit absolument rien. Non, mais... C'est pas lui. Non, franchement, tempête plus plus nuit, c'est super, on voit que d'elle. Incroyable. Ah ouais, il a l'hyperbole. J'ai pas envie de le taper, j'ai pas envie de le tuer. Il est que 22. Et il le capturait. Faudra le faire évoluer. On a ses ribous. Pas pour rien que je farmais dans le marais. Hey. Enfin le Seribou, il est là. C'est quand on le cherche pas qu'on le trouve. C'est pas une blague ça. Oh, je vous dis que le jeu se moque de moi. Je rigole pas hein. Vous allez rien me rapporter en XP, les mecs.
J'ai marqué les barons sur la map. Ouais, il est peut-être par là. Je vois rien. Ah, il est là. Ok, on va envoyer Magie Rêve. Attendez, j'aimerais bien arriver à le choper dans le dos. Ouais, je le choperai pas dans le dos. Tant pis, l'autre en plus il vient m'embêter là. C'est bon, il est pas dans le combat. 65 quand même. Super efficace, on va peut-être éviter. Un psycho? Psycho, c'est pas mal. S'il m'arrache pas derrière, ça va. Ah, il fait mal quand même. Ah, il est blessé par le contre-coup. Ok. Ah, j'ai que Arcanin et Magie Rêve. Ouais, en fait, ça va être compliqué de le frapper, je crois. Super efficace, là, tu me tues. Vas-y, lame de roc. Pas plus. Hyperbole. Allez, sois pas chiant, capture-toi du premier coup, s'il te plaît. Voilà, c'est pas compliqué ce que je te demande. Oh, tu sois pas chiant. J'ai plus de place. Et je me fais taper dessus en plus. Ok, bon, toujours pas de faille hein, dans le coin, les failles. Non, je veux pas parce qu'il veut pas me lâcher. L'autre. Laisse-moi tranquille. Et bon, tout ça, ça se passe très bien. On va ranger un peu tout le bordel. Je crois que j'ai beaucoup de bordel. Ranger ça. Les tessons. Bah oui, j'ai encore les tessons de tout à l'heure. Bah forcément que j'ai plus de place dans l'inventaire. Je suis l'épée aussi, range tout. Ça aussi. Ok. Du coup, on fait quoi? Non, je crois pas qu'il nous reste encore grand chose à faire dans ce marais. Au final. Ok, Lex. C'est quoi là qui vient ici? Quoi qui vient après? Les tortilles poussent. Ah bah c'est Porygon. C'est les trois formes de Porygon. Donc ça, bah. Ectoplasma, il me faut un fil, j'en ai pas. Spiritomb, il faut tous les trucs. Lui, il évolue avec une pierre nuit. Il y a moyen de le faire. Pierre nuit, il me semble que j'en ai. Et des corbeaux, je dois en avoir aussi. On va prendre une petite étoile. Je veux retourner au village. Ah, ça avance bien quand même tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, par contre, les Pokémon qui voulaient avec l'amitié... Ouais. Ça n'avance pas du tout. Alors... j'ai dit, il me fallait un corbeau.
Où est-ce que j'ai un corbeau qui traîne? Normalement, j'en ai un. Faut juste le retrouver. C'est le plus compliqué. Il est où le corbeau? Il est où? Ah, en voilà. Ok, on a dit une pierre nuit. Hein. Une pierre nuit. Ah boy, j'en ai que deux. Non, pourquoi à chaque fois je me plante dans les touches? Mais c'est terrible. Ok, ça c'est fait. On en aura fait des évolutions aujourd'hui. Ok. Ensuite, Zarbiopali, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Ouais, c'est beau quand c'est complété. Pépimenta et... Oh, ça, c'est du poisson qui me manque. Ah, les aquatiques, ils sont chiants. Ah, c'est Paragruel. Paragruel, je crois qu'il va être super chiant aussi à faire évoluer. Sinon, sa sous-évolution, on la trouvera au lac. Enfin, au lac, c'est pas un lac. C'est absolument pas un lac, c'est une côte, mais c'est pas grave. Ok, du coup, on va poser le corbeau. Et à la place, on va prendre Yolu. Il a besoin d'amour aussi. Hey, coucou Retro, comment tu vas? Bienvenue à toi sur live. Et on va essayer d'aller chercher les poissons. Méga apparition. Eh ben ça tombe bien, c'est là où je vais. C'est pas beau ça. Ouais, il n'y en a pas dans l'eau. Honnêtement, mais des apparitions. M'intéresse pas pour le moment. Nous, on cherche des poissons. Allez, tout le monde à l'eau. Ça, c'est du baby manta. C'est pas ce que je veux. D'accord, on va le capturer. Non, mais c'est pas lui non plus qu'il me faut. C'est pas lui qu'il me faut. Non, c'est pas lui. C'est pas ce que je cherche. Les aquatiques, c'est tellement le bordel en vrai. C'est pas non plus. En vrai, on les voit très très mal, les Pokémon aquatiques.
C'est un baby montage. Je m'en fous. Je veux son évolution. Il a la sous-évolution de Paragruel aussi, je sais pas comment il s'appelle. Ah! Ça m'intéresse. Il est où? Ok, on va aller de façon différente. On va y aller avec des Pokéballs comme ça, il est où? Sérieusement, il s'est barré où? Ok, je l'ai perdu. Ça, c'est quoi? C'est pas ce que je veux non plus. Non, mais sérieux! Ah! Allez, capture-toi! Sois pas chiant! Ok, lui, c'est fait. Plus qu'à trouver la sous-évolution de Paragruel et on est bon. C'est pas ça non plus. C'est pas ça. Et les petits poissons, c'est un peu la merde, hein? Petit poisson. On veut des petits poissons. Tentacool. Eh, je crois que c'est Tentacruel aussi qu'il me faut. C'est un baron? Ça sent le baron, ça. Ouais, c'est totalement un baron. Il me semble que Tentacruel, je ne l'ai pas. Ah mais les mecs, c'est déjà le bordel si en plus vous allez sous l'eau. Je suis censé faire comment, moi, pour vous capturer? Ok. C'est bon, tu me lâches? Parce que moi, je peux les capturer quand ils veulent me taper. Non. Bon, bah ça sert à rien. C'est quoi ça, ces petits poissons, là? Je sais pas. Non, c'est pas ça que je cherche. Est-ce qu'on regarderait pas où est-ce qu'on peut les trouver ces trucs là? Côte Lazuli, ouais, Côte Lazuli, mais est-ce que ça peut être un peu plus précis que Côte Lazuli? Ah ok, c'est fou. Savoir pour les trouver, les machins. Des racailloux, mais incroyable! Une apparition massive de racailloux. L'averse devrait bientôt s'arrêter. Ok, normalement, je devrais en trouver dans le coin. On va dire que c'est ce que je cherche.
Mec, genre de Pokéball, j'arrive pas à les toucher, quoi. En même temps, ils se planquent sous l'eau. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ok, touché. Ok. C'est quoi ce truc là? Ah, c'est un coffre. Mais non, c'est pas ce que je veux faire. Mais ils s'enfuient ces poissons qui puent là? Oh là là. Oh, ça va être la misère à les capturer ces trucs. Ils m'ont pas vu et pourtant ils disparaissent. Ok. Je vais lancer le combat avec eux. Bah, on n'y arrive pas. Mais non, mais... Excusez-moi, mais comment je suis censée les capturer, ces trucs? Viens de battre si t'es un poisson! Ah, ils sont 42. Il est sur ses gardes. Ouais, il est sur sa garde, donc il a tendance à fuir le machin. Vas-y, on va y aller à l'hyperbole. Hein. Allez! Capture-moi cette merde! Ok. Et donc, pour Paragruel, il m'en faut un avec un motif blanc. C'est ce que je viens d'avoir, non? Je l'ai avec motif blanc. C'est bon? Tu peux qu'elle faire évoluer en Paragruel et c'est bon? C'est un motif blanc lui aussi ou pas? On va y aller avec une Pokéball pour voir. Ça veut dire quoi, motif blanc? Ok, Pokéball, c'était suffisant. On va en capturer plusieurs dans le doute. Ah, ils ont peut-être tous des motifs blancs. Eh, il a pris la fuite. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait qu'ils se barraient, hein, ces poissons. C'est des fuyards! C'est des petits fuyards. Pour moi, ils ont tous la même tête. Hein. Pour moi, ils ont totalement tous la même tête. Il y a intérêt qu'il y en a un qui puisse évoluer en... Non, pas attaquer, non. En Paragruel, parce que sinon... sinon, je vais pas apprécier. Hein. C'est libéré. Il va fuir. Il a totalement fui. Riolu, tiens ouf ce petit coffre. Ok, on va dire que c'est bon hein, pour eux. Je verrai à le faire évoluer en Paragruel. Parce que... Evoli peut évoluer. Quoi? Evoli peut évoluer? Non, c'est pas là. Ah ouais! Il peut évoluer! Eh, on est d'accord, hein, il évolue en mentali. Hein. Question des capacités. Il a pas de capacité de type fée. Tu évolues en mentali.
Vas-y, faire évoluer. On va intervenir. On a un Évoli qui nous aime. J'avais même pas vu qu'il pouvait évoluer. Moi. Après, il ne manquera plus que Noctalie. Et puis c'est pour... Ouah, Mentali. Magnifique. Eh ben voilà une bonne chose de faite. Créolu, non, il veut pas évoluer lui. En même temps, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ok, on va pouvoir poser Mentali du coup. Ouais, j'ai capturé 4 Pokémon. C'est 4 fois les mêmes. J'espère que c'est bien le bon. Il y a intérêt de pouvoir évoluer en Paragouel. Motif blanc, c'est marqué. Motif blanc, c'est bon, on a eu que des motifs blancs en fait. Parfait. En fait, je peux aller voir pour ma... Je peux aller voir pour ma promotion, moi. Retour au village. Bah Mentalis c'est la journée et Noctalis c'est la nuit, tout simplement. Un la journée et un la nuit. Ma promotion, excusez-moi, j'ai oublié, mais je joue ma promotion, moi. Eh, il manquera plus qu'une seule petite étoile. Quoi, j'ai encore une quête? Il y a encore une quête qui s'est débloquée? Oui, tu vois, reconnais mes progrès. Eh, hey, on est à 205 attrapés. Ça monte, hein. Ah ouais, c'est parce qu'il me semblait un tas cruel, il me le faut. Magnéti, faut que je le fasse évoluer aussi. Beaucoup, beaucoup que je dois faire évoluer, en fait. Hein. Mais c'est pareil, je voulais juste à le faire évoluer. Tarinor, pareil. Voltorb, il me faut une pierre plante. Mélophée, c'est de l'amour. Lui, il faut quoi pour évoluer? Ah, il me manque encore quelques-uns, quand même. Il me manque encore quelques-uns, mais bon. C'est beau, ressort de là. Donne-moi mon étoile. Donne-moi ma promotion! Membre 9 étoiles du groupe Galaxy, félicitations. Oh, qu'est-ce que tu me donnes? 10 super bonbons. Oh, 20 pierres et forts. Ah bah. C'est quoi cette quête là qui traîne du coup? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai besoin de votre aide car elle cherche une stratégie efficace. Ok. On fera ça un jour, peut-être. Y a pas d'autre mission. Y a pas d'autre mission. Du coup, Mentali, c'est bon, c'est fait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre ma team normale, de base. Voilà, on va poser Mentali. Mentali, c'est bon, c'est fait. On reprend ma team de base. Et je vais tenter, éventuellement, de retourner faire Amo Vénus. Et on verra bien. J'essaye deux, trois fois. Pas plus, s'il me saoule. Je le ferai un jour. Un jour peut-être. Il est très chiant la Mauvenus, hein. Alors, on va poser tout ce qui n'est pas nécessaire. Je veux dire, tout ça, ça je pose. Hein. Les charmes, je les garde en cas de décès. Voilà. Pas se mentir, à Mauvenus, c'est le merdier.
Alors, j'ai regardé un petit peu les techniques pour le récupérer. Donc, on va prendre solution furtive. J'ai besoin de quoi d'autre? Les boules, je les ai. Et ce qu'il me faut, c'est ça, les bombes aveuglantes. Ouais, les pépites, t'inquiète, quand je vais chez le marchand, je les vends, c'est pas un problème. C'est 10 000 la pépite, donc je les vends. Ok, let's go. Méga apparition. Il y en a tout le temps des méga apparitions. Allez, c'est parti pour le marais. De toute façon, les sous, faut pas s'inquiéter, j'ai ce qu'il faut quand même. On commence à avoir pas mal de... monnaie. Bon, faut juste le retrouver. Amo Vénus. Est-ce qu'on va arriver à prendre notre revanche ou est-ce qu'il va me mettre mal encore? Hein? Il est quelque part par là, non? Il me semble. Il est où, ce con? Ça pour un Pokémon que j'utiliserai jamais en plus. Faut pas se mentir. Hein. Je l'utiliserai probablement jamais. Il est pas là? Il est plus par là? Je sais plus moi où est-ce qu'il est. Hein. Amophénus, où es-tu? Voilà le con. Bon, qui c'est qui m'a déjà vu là? Je viens de me poser, foutez-moi la paix. Ok, alors ça commence comme ça, on va te défoncer toi. Non mais sérieusement hein. Tu vas bouffer un laser à glace dans ta tête. Tu vas dégager vite fait. Ah mais parce qu'en plus vous êtes deux. Mais c'est qu'en plus ils sont deux à venir m'embêter. Ok, je peux pas l'utiliser comme ça, la solution furtive. Faut que j'ouvre le sac. J'ai jamais utilisé ces trucs-là, moi. Ok, j'ai pas la moindre idée de combien de temps ça dure, en plus. C'est parfait. Non mais le mec il s'est mis entre des barons et tout en plus. Mais c'est une blague! Mais putain, mais c'est bon, ça commence déjà à me gonfler. Mais dégage de là, toi! Qu'est-ce que tu... Comme si c'était pas assez compliqué, faut en plus se faire emmerder par plein de Pokémon sauvages.
Voilà, maintenant il fuit. Est-ce que je l'ai encore là sous le souffle furtif? Arrête de bouger! Ok. Ah, y a pas de souci. Hein. Ah, mais avec cette méthode. J'éprouve un peu des doutes. Allez. Ok, la solution furtive s'est dissipée. Elle s'est dissipée, c'était marqué. C'est une horreur, ce mec. C'est une horreur. Hey, coucou, Yevenblad. Bienvenue à toi. Et là, bien sûr, il est allé se foutre dans le marais, évidemment, là où je ne peux pas l'atteindre. Là où il y a plein de bouillasse, quoi. Normal. Et il me voit à 3 km. Ça marche pas. On peut savoir, il prend une Pokéball, il en prend pas deux. On peut savoir pourquoi. Et bien, je le touche pas. Allez! Ça a fonctionné une fois et ça marche plus. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il n'a pas vu, mais il me tape dessus. Est-ce qu'on en parle? Il n'y a pas plus relou que ce mec, hein, sérieux. Le mec est totalement invulnérable. Tu lui pètes son bouclier, il est encore invulnérable derrière. Est-ce que c'est normal? Le Cradopo. J'ai cru que je l'avais, j'ai un putain de Cradopo de merde. Il m'a lancé le combat avec le Cradopo. Mais oui. Tout va bien. Putain,
putain, et ce con là, il va m'emmerder aussi, là, le baron là. Oh putain, mais c'est un Pokémon poison en plus. Mais il m'emmerde! Bon, reste tout zen, mais mais vraiment très relou. La mauvaise news, vraiment très très relou. Surtout que ça a fonctionné une fois et que maintenant ça ne fonctionne plus. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi est-ce que un coup ça marche et un coup ça marche pas. Solution furtive, elle fonctionne plus. On en utilise une. Mais faut m'expliquer là, hein. C'est quoi leur délire les mecs? Là, ça marche. Là, je peux rien faire. Il me tape juste et je ne peux rien faire. Il me tape, je ne peux rien faire. Le mec a décidé de me taper. Et je ne peux pas riposter, j'ai pas le droit. Faut m'expliquer comment est-ce qu'ils ont fait leur truc là. Voilà, et là je dis rien. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'aime beaucoup comment ils ont fait ça. C'est vraiment de la merde. Non, là vraiment. Vas-y, mais fous-toi vraiment bien dans le marais, quoi, vas-y. Là, pourquoi je l'ai pas touché, déjà? Et là, ça fonctionne. Un coup, ça marche pas. Pourquoi? On sait pas. Là, il a décidé de me taper, donc je ne peux pas rien faire. Ah, et là, pourquoi est-ce qu'il me tape dessus? Je sais pas non plus. Je sais pas. Ça dépend de ses humeurs, en fait. Pourquoi il part pas, mon Pokémon? Ça dépend vraiment de son humeur, en fait. C'est ça ?
Bon, est-ce que je vais arriver à le choper avant d'être à court de Pokéball et à court de bombes fumigènes aussi, puisque j'en ai plus beaucoup? Je sais pas. Me paraît compliqué. Non, là, je ne peux rien faire. Là, il a décidé de me taper. Non, mais ce qui est relou, c'est vraiment... le fait qu'il soit dans le marais, parce que tu peux pas le poursuivre, c'est pour ça que j'essaye d'y aller en mode discrétion. Et en plus de ça, tu lui pètes son bouclier, mais il est quand même invulnérable. Alors, j'ai pas compris. Je comprends pas, moi. Là, ça passe au travers. Ah non, là, c'est pas passé au travers, je sais pas. Non, là, il me tape, j'ai pas le droit de... J'ai pas le droit. Là, il me voit pas, là, il me cherche. Quand il a point d'intérêt les points comme ça, c'est qu'il me cherche. Il sait pas où je suis. Mais il me tabasse. C'est fort, quand même, non? Il est fort, hein, le copain. Il sait pas où je suis, mais il me tabasse quand même, hein. Non, là, voilà, j'ai pas le droit. Là, non plus, pas le droit. Pourquoi? Eh ben, mystère. Non, puis là, il m'a vu, c'est bon. Oh putain, j'ai réussi à déclencher le combat. Bon. Maintenant, il s'agit de pas le tuer. Pas se faire tuer non plus. J'ai pas pris mes rappels. Oh, c'est super efficace, ça va, il fait pas si mal que ça. Ouais, celui il fait mal quand même. On va faire du style rapide pour pas le tuer. Le tue pas, Magirev, si tu le tues, je te tue, Magirev. Ok, pas plus, pas un pet de dégâts en plus. Je m'en fous, Magirev, il meurt, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je perds un Pokémon, je m'en fous. Allez. Évidemment. Le machin, il a pas un pet de vie, mais c'est pas grave. Il a pris 20 Pokéballs aussi avant de commencer le combat. Mais, bien sûr. Il résiste. Si il me bute Arcanin, je prendrai Luxray pour le paralyser. Là, je peux rien faire de plus, hein. Je peux pas lui mettre une tarte de plus, il meurt sinon. Eh bah putain! Aïe!
sans aucun doute le Pokémon légendaire le plus chiant à capturer, moi je vous le dis. Aïe. Ah bah putain. Enfin ce con là. Ah je peux plus me le voir. Aïe. Respire. C'est fait. Bon après il reste Arceus, mais je pense... En vrai, je pense que Arceus sera moins chiant que lui à faire. Non, vraiment. Vraiment, lui, il est méga chiant. Si vous voulez le faire, je vous dis bon courage. Ah, c'est fait. C'est fini. Enfin, on a une autre revanche sur Amovenus qui pue. Je le déteste. Je vous préviens, je le déteste. Je le déteste totalement. On va retourner au village et on va retourner voir Pansea, là. Parce que maintenant qu'on l'a. Hein? Aïe, aïe, aïe. Alors, techniquement, dans les légendaires, il nous restera Manaphy et Fionn à faire. Mais il n'y en a pas besoin pour Arceus, du coup je les ferai pas tout de suite. Je les ferai un jour, peut-être. Ou peut-être pas. Je sais pas. J'avoue que j'ai la flemme de les faire, sachant qu'en plus tous les Pokémon qui restent encore à... Avec encore tous les Pokémon qui restent à capturer, ouais, c'est pas ma priorité à Manaphy et Fionn. On verra. Ouais, peut-être après Arceus, on verra peut-être à les faire. Alors, Pansea, j'imagine que tu souhaites compléter la page de ton Pokédex. Oh, tu me demandes de compléter la page du Pokédex sur Amovenus en plus. C'est bon, je l'ai. Ah, elle m'embête, hein. Mais elle m'embête. Je te le capture, c'est pas suffisant. Faut en plus que je complète sa page. Mais dis-toi que madame... Ça veut dire qu'il faut que je le prenne dans mon équipe et tout, quoi. J'en veux pas. Je le déteste. Je veux plus le voir. Plus jamais. Ok, bah du coup, on va en profiter pour reprendre nos Pokémon qui ont besoin d'amour. Voilà. Bah, il est où, ce nul? Il est là, ce nul. Ouais, hop, voilà, on complétera les quatre. On va le mettre à la place de garde-voir. Ah! Ah! Il m'a épuisé. Eh, je vous le dis, il m'a épuisé. Non, c'est pas ça. Alors, utilise extrasenseur. Et style puissant, style rapide. Ok, extrasenseur et... Typhon machin. Allez, on va aller taper un petit peu avec. Histoire de compléter sa page. Bah on va aller là. Hein. Histoire d'avoir des Pokémon un petit haut level. Du coup, mis à part Manaphy et Fionn qui sont un petit peu à part, on a fait tous les légendaires. Enfin, à part aussi Arceus, mais voilà, c'est un autre... c'est autre chose. Regardez, en plus, il est moche. Regardez-moi la tête qu'il a, le machin, il est moche. Ouais, non, mais je vous avoue que là j'ai un petit peu une dent contre lui. Un petit peu... Un petit peu beaucoup. Ouais, avec tes tornades là. Hein. Ouais. Saleté. Ouais, je me rappellerai de celui-là.
Et je vais pas m'en remettre. Je vais clairement pas m'en remettre. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose de faite. C'est une épine en moins. Il y en a encore quelques-unes des épines dans le pied, mais... C'est vraiment une très bonne chose de faite, ça. Amovenus. Faire un petit peu un style puissant aussi. Mélangeons les styles. Ça dit quoi? Ouais, je pense que ça devrait être suffisant pour finir sa page. En vrai. En vrai. C'est bon. C'est complété sa page, non? Il n'y a pas besoin de plus. Dis-moi que c'est bon. Ok, c'est bon. Complété, niveau 10. Parfait. Du coup, cette fois, on va retourner voir Madame Pensea. Maintenant que nous avons donc les 4 génies de la météo. Pensea, c'est beau, j'ai rempli la page du Pokédex sur Amovenus. Tu me dis quoi maintenant? Maintenant que j'ai fait ça. Tu me donnes Arceus en récompense? Je pense pas. Hein. Je vois que tu as également réussi à capturer Amovenus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On appelle ce Pokémon la déesse du printemps. Car il apparaît à essuyer, à essuie après l'hiver. J'arrive plus à parler, il m'a épuisé le machin. Je suis plus là. Lorsqu'il nous fait l'honneur de sa présence, il me porte aux 4 coins de Isui, ce qui est des plus commodes. Cela dit, je pense de le confier un moment si tu acceptes. Me le confier ? Oui, je veux simplement signifier qu'il ne restera pas à tes côtés pour toujours. Je veux aussi te remettre ce miroir sacré. Il permettra à Amovenus et à ses semblables de changer de forme. Ok, on va pouvoir les mettre sous leur forme totémique. Pokémon, sa forme originelle. Amovenus, ses semblables et toi avez une chose en commun. Vous avez soif d'aventure. Et c'est une bonne chose, car la vie est longue et elle n'a que pas d'heure si l'on aspire à rien. Les dieux des moissons et la déesse du printemps, dans les cieux de Isui à l'horizon, apportent la vie prodige florissant. Du moins, c'est ce que l'on dit. Mon rôle ici est terminé. L'histoire vous appartient désormais. 4 bonbons XPL. C'est tout? C'est tout? C'est tout pour voir capturer ce truc? Non, franchement, il est moche. Hein. Non, je l'aime pas. Je ne l'aime pas. C'est mort. Je l'aime pas. Il m'a trop fait galérer. Eh ben écoutez les amis, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. On a bien avancé sur le Pokédex. On est à 206 attrapés, 225 enregistrés. Il nous manque encore pas mal de monde. Hein. Beaucoup d'évolutions. Lucario a fait évoluer. Guiriègle, pareil, il faut le faire évoluer. Blizzard Roi, je pourrais en capturer direct. Hein. Ouais, lui aussi, à faire évoluer. Ça aussi. Ouais. Il nous en manque pas tant que ça, mais il en manque quand même quelques-uns.
On va vérifier vite fait d'ailleurs, y a personne qui veut évoluer là? Non? Pas de petite évolution? Dommage hein. Franchement, il aurait pas été aussi galère à attraper, je l'aurais abandonné au bord de la route. Mais j'ai trop galéré pour l'avoir, pour l'abandonner maintenant. Mais ouais, vraiment... Ouf! Pour moi, c'est clairement... je vais récupérer mes rappels. Hein. On va récupérer tout ça. Pour moi, c'est clairement le légendaire le plus compliqué à avoir. Potion, tout ça aussi, on peut récupérer maintenant que je ne risque plus de mourir et perdre mes objets. Hein? On peut récupérer un petit peu toutes nos petites affaires. Du coup aussi pour Ursaking, il faudra que je regarde comment avoir son objet pour le faire évoluer. Ouais, j'ai 2-3 trucs à vendre. Ah, mais Mass Ball aussi, ça peut être bien de la récupérer. Ça peut servir. Les appâts aussi, éventuellement, ça peut servir. Ça aussi, je récupère. Ça aussi. Ouais, ce sera déjà bien. Voilà. Sachant que les solutions furtives, je m'en suis pas servi une seule fois. Même les bombes aveuglantes, là, je ne m'en suis pas servi une seule fois durant toute l'aventure. Il y a vraiment que pour Amovenus que je me suis servi de ce genre de truc. Et même avec ça, ça a été la misère. Voilà, on va le garder quand même en fond. Hein, on va se mettre à côté. Non, mais tu tournes pas. Voilà, parce qu'on a quand même réussi à le capturer, c'est la grosse prise du jour. On a bien avancé aussi sur tous les autres Pokémon. Je pense que je vais avancer de mon côté pour compléter le Pokédex. Et puis, ce serait bien que la prochaine fois, on se fasse Arceus, il serait temps. Hein? J'aimerais bien. C'est pour bientôt, lui, quand même. Sur ce, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi le live. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis bonne fin d'après-midi. Et à la prochaine. Et sur ce, eh bien, les amis, bye bye!